Bonjour, je suis Fabrice Koffi, slameur, poète. J'ai le plaisir de vous présenter cette minute de slam inspirée d'une œuvre d'art public de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Dans le cadre du projet Ton slam d'art public, j'ai eu la chance d'accompagner cinq membres du groupe Ixar et une étudiante en francisation du centre William Hixton dans la découverte de cinq œuvres d'art public situées aux quatre coins du quartier. Ensuite, chacun, chacune, on composait un texte poétique, inspiré par l'œuvre de son choix. Chaque slam est mis en valeur par un habillage sonore du musicien Guillaume Soucy. À présent, bonne écoute. Des odeurs d'épices attirent mon attention. Je suis à Parc Extension. J'ai faim. Ah, multiculturalisme. Le quartier est plutôt chaleureux, mouvementé. Et là, cette œuvre. Ébranlée, je me dirige vers elle. Ce qui me frappe en premier, c'est l'âne. Épuisée, tête baissée, toujours debout, il porte l'évolution du monde. Le combat est toujours le même. Le mien, celui des femmes qui luttent pour leur égalité. Rien n'a changé, le chaos est toujours autour. Couleur sombre, mélancolie, tristesse, peine et douleur. Le changement est en route. Écriture de vie, graffiti aux couleurs verdâtres, éclat de rire, c'est la vie. La pousse d'un changement. Patience, persévérance, nous avons l'obligation d'évoluer. L'âne fatigué, tête baissée, porte le poids du monde sur son dos. Et eux, soif de connaissances, soif d'apprentissage, soif d'avancement, rien n'a changé, mais tout va changer. Je continue ma route. J'ai faim.